Aujourd'hui, on va découvrir non pas une nouvelle fonction d'iOS 11, mais comment enlever une nouveauté d'iOS 11. Alors c'est tout simple, ça se concerne dans l'application Message, celle où on reçoit des e-messages ou des SMS, à cette barre d'application e-message qui a été ajoutée, qui donne un accès rapide à toutes les applications installées, mais qui, pour ceux qui ne les utilisent pas, peut être distrayante et énervée lorsqu'on l'a sous les yeux toute la journée. Il faut savoir qu'il est possible de la faire disparaître. C'est tout simple, mais il faut connaître la manip. Il faut appuyer sur cette petite icône grise, laisser appuyer et descendre vers le bas. Ça y est, c'est fait, c'est nettoyé. On retrouve un fonctionnement dont on avait plus l'habitude avec la version précédente des messages. Donc ensuite, normalement, elle va rester absente, sauf si on la fait réapparaître volontairement de cette manière-là. Alors il faut savoir que cette manipulation, parfois on est obligé de la refaire, c'est pas forcément très stable, mais globalement ça fonctionne et ça permet de nettoyer un petit peu l'affichage. On espère que cette astuce vous a plu. Retrouvez-nous sur iPhone.fr, la chaîne YouTube ou le site. À très bientôt.